malgré tout. À chaque journée, sa dose de malheur. Le quotidien se remplit d'exigences qu'on ne cherche même plus à maîtriser. Même dans le deuil, l'égalité n'existe pas. Marc Plomb. Myrna Patricia Rodas Sareola. Philippe Charles-Claude Rousier. Stanley Sainte-Rose. Les rapports de force entre le pouvoir en place et les grands intervenants politiques sont tendus à l'extrême. Le président Préval quitte son siège avant que Bill Clinton prenne la parole. Ce n'est même plus la peine de continuer à faire semblant. On dit pas il est rêve, mais l'idée vient de se vivre. Il nous fait qu'il y ait jour de rien, on a fait accident. Même si vous voulez qu'on raison, Haïti en avant. Mettez-moi sous évolement, ma mettez-moi sous évolue. Le deuxième tour des élections a pris du retard. Hillary dit au président : Bill et moi, vous connaissons depuis 15 ans. Comment pouvons-nous vous aider ? Mais il est trop tard. Préval est déstabilisé. Il ne distingue plus la carotte du bâton. En général, les dialogues entre les responsables politiques sont toujours très courts. Cependant, celui qui a le pouvoir va toujours finalement finir par imposer sa solution.